retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul action. Alors j'avais dit que je n'allais plus action, mais comme ma fille part en stage 15 jours, qu'elle part chez ma soeur, j'avais besoin de petites affaires, ma collègue m'a gentiment emmenée à action. Donc j'ai bien sûr, j'ai craqué, que voulez-vous, hein? Je suis arrivée, il y avait plein de nouveautés, donc j'ai craqué. Donc, qu'est-ce que j'ai pris en nouveauté? J'ai pris les mousses comme ceci. Je ne vais pas vous faire la démo parce que ça passe tous les jours. Vous avez trois vidéos de démo de ces mousses. Donc, moi, j'ai pris deux de chaque. J'ai pris deux blanches, deux mauves. C'était 99 centimes. Deux roses, deux grises, deux noires et deux dorés. Voilà. Vous avez déjà vu, vous savez à quoi elles servent. Si vous ne savez pas, ben, vous me demandez, je vous ferai une vidéo. Mais normalement, il y en a tellement qui ont circulé sur YouTube ces derniers jours qu'on a été envahi. Et ensuite, j'ai pris quelques bricoles. Donc, j'ai pris les 7 de cire. C'est pareil, ça. Hein, vous avez 10 000 vidéos qui sont parties. Alors, moi, je ne les ai pas tous pris parce que ça ne me plaît pas trop, les bâtonnets. Là, en plus, il paraît que ce n'est pas trop top qualité. Moi, je voulais juste le manche en bois, en fait. Et les trois petits embouts avec les mots. Parce que le reste, franchement, ça ne m'intéressait pas. Je n'ai pas pris. Prendre pour prendre, ce n'est pas la peine. Donc, j'ai pris ceux avec les mots. With love. J'ai vos pédales. With love. Big News et Save the Date. Voilà, moi c'était surtout pour ça que je le voulais parce que je me dis on peut faire des tout petits cachets de cire sans rien au milieu avec des. Je sais pas. Je vais essayer de faire un truc avec ça. Je l'ai pas pris. J'ai pris vraiment plus pour le petit manche en bois. Mais bon. Voilà, ça on s'en fiche, on met à l'envers en plus. Ensuite, j'ai pris la punch board parce que, en fait, ça fait longtemps que j'ai envie d'acheter celle de Wire, même en keeper. Il est où le chien? Ah. Mais je me retiens toujours parce que vu le prix, voilà. Donc là, je me suis dit 10 euros. Bon, là, c'est pareil, hein. Je ne vais pas vous montrer comment ça fonctionne, à moins que vous vouliez vraiment que je vous fasse une vidéo. Mais il y en a plein sur YouTube. Pilou en a fait une. Enfin, tout le monde en fait. Donc, je ne vais pas en faire. Ça ne sert à rien. Et ça, c'était 9,99 €. Je n'ai pas tous les prix, par contre. Je me rappelle de ça et des mousses. Mais le reste, je ne me rappelle plus des prix. Après, j'ai pris beaucoup de choses, hein. Mais beaucoup de choses qui ne sont pas scrap. Donc, je n'ai pas vous montrer des petites pierres, des cadres, des serviettes de toilette, une trousse de toilette, bref. J'ai pris, alors, écoutez-moi bien. J'ai pris ces deux sets de tags, d'accord? Parce que moi, j'en avais acheté sur Craftelier, parce que je ne les trouvais jamais à Action. Et j'avais perdu ceux de chez Craftelier. Donc, je suis allée acheter ces deux-là, mercredi matin. Enfin, mercredi après le travail, quoi, en fin de matinée, à Action. Et en rentrant, je regarde sur l'étagère et qu'est-ce que je trouve? Vous n'allez jamais me croire, mais vraiment, ça doit faire 3 mois que je les cherche. Vraiment, je retrouve mes deux de chez Craftelier. Voilà, ça c'est moi, mais c'est pas grave, c'est pas les mêmes formes, donc ça ira très bien. Ça servira. Ah ben celui-là, il ne veut plus tenir. Hop. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai pris des gemmes comme ça. Gemstone. Alors, je ne sais pas le prix là, par contre. J'ai pris en rose, en bleu et mauve. Et en bleu et en vert jaune. Je ne sais pas trop. Voilà. Ces trois-là. Ensuite, j'ai pris... Ça va se casser la figure. Des blocs de papier vellum, comme ceci. Donc, c'est avec. Il y en a certains avec du foil et d'autres. Alors, on a deux foils, deux sans foil. Une, deux, non, même trois.
Donc voilà, je vais pas tous vous les montrer parce que c'est pareil, hein, on les a vus passer. Si vous voulez plus de détails, vous me direz, je vous montrerai, mais voilà. C'est comme ça. Arrête Emma avec ça! Ensuite, on a celui-ci. Ben, sors-le de la chambre! Celui-là est un peu embossé aussi. Un peu de relief. J'aime beaucoup celui-ci. C'était mon bloc préféré. Ici, regardez comme il est beau celui-ci. Bon, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais... Ouais, je sais pas. Je sais pas si vous allez bien voir. Tu arrêtes, toi? Je suis obligée de le prendre partout avec moi. Et là, il pleure pour aller dans la chambre parce que il croit qu'il y a ma fille, mais ma fille est au lycée. Tigrou! Alors, il gratte. Tigrou! Ah bah, celui-ci, je l'ai pris en deux. J'avais pas vu. En double. Et j'ai pris celui-ci dans les teintes de jaune avec des citrons. J'ai trouvé très joli. Il y a du vert, il y a des carreaux. Du jaune comme ça. Du orange. Non, ça, c'est quoi? Des papillons, des... Bon, je sens que je vais aller faire un meurtre de chien. Tigrou, viens ici. Voilà, et pour finir, j'ai pris, je vous ai dit, il n'y avait pas grand-chose en scrap. Plus de la déco de maison, etc., que du scrap. J'ai pris des stickers. Moi, je ne suis pas fan des stickers, mais c'est pour mettre dans mon planeur. Dans mon planeur, les tours blanches, je m'en fiche parce que mes pages sont blanches aussi. Donc voilà, donc j'ai pris celui-ci sur le thème anniversaire, un peu le manège, etc., la fête foraine. Tigrou! J'ai pris celui-ci sur les licornes. Enfin, c'est pareil. Non, c'est plutôt aussi sur les manèges. Vous voyez, il y a des tickets. C'est un peu aussi sur la fête foraine, mais pas du tout dans le même style de celui-là. Ça, c'est plus enfantin, on va dire. Celui-ci. Voilà, et j'en ai pris un comme ceci, un peu vintage. Oh, mais je vais tuer ce chien. Voilà. Voilà ce que j'ai pris à Action. Voyez, en scrap, ben, c'est pas non plus des tonnes. Mais bon, je suis contente d'avoir trouvé quand même les nouveautés. Voilà, ben, écoutez, ce sera tout pour ce petit haul Action. Il y en a encore un de Craftelier et un de la fourmi créative à vous faire. Voilà. Donc, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.